Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à l'apéro de ce nouvel épisode de Starbound D4 Please the Giraffe. Toujours à la recherche donc de cette espèce d'item boss et de mini, enfin de cette espèce d'item de boss donc qu'on peut trouver sur un mini boss. Donc que vous m'avez indiqué dans les commentaires. Donc j'ai 6 épisodes à tourner aujourd'hui, je vais les baser là-dessus. On fait de la recherche pure et dure, hein, ça se passe en caverne en plus, donc c'est pas non plus complètement anodin. Hop, je vais aller le chercher ce truc là. Depuis le temps que je suis censé le faire. Hop, voilà. Alors. Oh. Alors, un petit lag, une caverne, rien dedans. Rien de bien utile en tout cas. Hop. Oui, je ferme les portes derrière moi, hein. Même dans un jeu. Alors. Hop. Que ça me gonfle. Il a réussi à me suivre le sac. Hop. Tiens, regarde là, tu vas être bloqué. Ah ah, je t'ai bloqué. Oh, ça c'est une grande caverne. Encore une fois, une grande caverne vide. Un coffre. Hop. Et encore une fois, rien dedans. Rien d'intéressant. Non, j'ai pas trop baissé intentionnellement, parce que sinon je vais m'en trouver coincé en bas. Je vais devoir remonter. Déjà que je descends déjà de base beaucoup. Hop. Crac. C'était quoi ça là-haut? D'accord. Du cuivre. Encore un biome flèche. On va aller dans le biome flèche, c'est pas grave. On va aller taper le bonhomme. Hop. Voilà. Parfait. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Rien du tout. Oh, mais ça ressemble typiquement à un de mes passages, ça. Oh, que ça m'inquiète. Ça aussi, bon. Oui, ça c'est un de mes passages. Bon, donc on a plus ou moins fait le tour de la planète déjà. C'est génial. On n'a plus qu'à remonter. On va rechanger de planète. Hop, allez, allez, allez. C'est que ça, d'accord. Aïe. Bah, on a failli changer de planète très rapidement là en fait en mourant, c'est cool. Ah non, lag, 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 hop, merci. Oh putain. Bon, c'est pas plus mal, ça va me faire des trous plus rapide. Peut-être qu'en passant par là, j'aurai plus de chance. Non, bah non. Pas du tout. Pas beaucoup plus de chance. Pas plus de chance du tout, en fait.
Donc mini-boss sur une planète de type radioactive. Enfin, dans un système de type radioactif. Je sais pas du tout à quoi... Enfin, à quoi je suis censé... Qu'est-ce que je suis censé rechercher? Non, pas toi. Pas comme ça. Toi, je te veux pas. Je préfère les bombes diamants, c'est beaucoup plus classe. Et beaucoup plus rentable. Ok. Petit à petit, on remonte, hein. C'est ça qui compte. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, vous auriez pu tomber tous les deux quand même, ça aurait été classe. Oh. Il y a des gros engins par là. Si vous voyez ce que je veux dire, chers amis. Hop. Un ch'ti coffre. Oh. Écoutez, on va traverser. Hop. Bon, ça fait quand même 300 pixels en plus, c'est pas rien. On y va. On verra bien. J'ai l'impression, chers amis, quand même, d'avoir été floué, entre guillemets. Mais bon, c'est ainsi. Oula! C'était chaud sur l'autre planète, mais sur celle-là, ça va. Pardon, je peux récupérer mon épée, merci. Ok. Ok, je voulais surtout pas retomber sec comme ça. Ok, donc là j'ai vu le passage secret. On y va, hop, oh tout ça pour un petit coffre comme ça, t'es sérieux? Bon, 125 pixels sur le sapri. Voilà, sans trop de problèmes, oh et encore. Oula, il fait mal celui-là. Ah c'est bon, je les ai eu, d'accord. Apparemment, je les ai tous eus. Ok. Bon, bah, c'est une espèce d'arène, c'est pas trop mal. Ok, ok. Ça, ça fait combien? 15? Bah, non, ça m'intéresse pas. Hop, on retourne au monde normal. Bon. Je suis assez déçu de tout ça. Parce que les grosses cavernes, là, je pense que je les ai. Hop. Aïe. Voilà. Hop. Voilà, de toute façon je suis bête, je peux faire ça et remonter. Bon, bah on va aller sur notre planète. Donc on a fait une planète de type tropical, une planète de type alien. Faut qu'on regarde si on a d'autres styles de planètes, d'autres types de planètes sur les systèmes radioactifs. Donc tropical, alien. Ok, donc on est sur la 2, il nous faut la 3.
Alien, Poisonous Ocean, Tropical. Est-ce qu'on a autre chose? Tropical. Poisonous Ocean, Tropical. Alien, Ocean. Tropical, et là, ça c'est une lune. Bon. On va repartir sur une. Sur une grosse alien, tant pis, ou une petite tropicale. C'est une petite tropicale, on a fait une grosse tropicale la dernière fois. Peut-être qu'une petite tropicale, on a plus de chances de trouver, et plus rapidement. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Là, franchement, je commence à avoir des doutes sur la véracité de ses propos. Mais bon. Donc, c'est bel et bien un mini boss dans une caverne. Attends, bah vraiment, faut que je trouve un objet utile dedans en fait. Oh, je suis full de chez full par contre. Hop. Ça va. Ça va, ça va. On descend. On y retourne. Pouh! Oh, c'est joli ça. Ça j'aime. Ça j'aime beaucoup. Ça, c'est le truc que le genre de choses que j'aime beaucoup, chers amis. Bon, on y va. Oui, je sais, il y a un passage juste à côté, mais c'est pour être sûr de pas me tromper quand je vais. Hop. Alors. Trouvons une grosse caverne. Avec un mini-boss dedans. Bon. Ça, c'est pas un mini-boss. C'est un coffre. Grosse caverne. Ah, non. Progressons. Non. Il y a beaucoup d'eau. Oh. Ça, c'est intriguant par contre. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera là-dedans? Du soin. Bon, bah on va faire dans la challenge portal. Dans la salle de challenge. Et c'est une qu'on a déjà faite. Je pense même qu'on puisse se permettre. Hop, voilà, d'aller très très vite. Hop. Ça, je l'ai déjà. J'ai pas encombré, malheureusement. J'ai pas m'en encombré, non. C'est bon. Hop. Ça a été rapide. Ah. C'est à cause de cette petite lenteur au moment où on repop, en fait. Hop, je veux esquiver cet endroit-là. Ce serait cool. Hop, parfait. Oh mince. Voilà. Tu prendras. Tu cherches la guerre, tu la trouves. Oh putain. Vous êtes sérieux là? Hop. Laissez-moi y aller. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Là, il y a une caverne à gauche avec de la lumière. Eh ben non. L'espoir fait vivre. Bon. Eh ben on continue. Grosse caverne. Hop, lâche-moi. J'ai dit lâche-moi, voilà.
Bon. Ou alors, soit je me suis planté dès le début, il y a un truc qui va pas, mais ça m'étonne. Bon, portal room. Ah, il y a un coffre. Merde. Eh ben non, vous ne m'aurez pas. Bon, et puis on l'a déjà faite en plus, génial. C'est la première qu'on ait faite, je crois, en plus. Hop. Crac. Youhou. Aïe. Ah dommage, je l'ai tenté en full burst, mais non, ça n'a pas marché. Bon. On y retourne. J'ai l'impression de perdre mon temps, les amis, si vous savez, si vous saviez. J'ai envie d'y croire, j'avais envie d'y croire au début, franchement j'avais envie d'y croire. Mais là je commence à avoir de gros doutes. Hein. Peu de chance? Eh ben non, même pas. Tu veux de la chance, Marcus? Joue à la roulette russe. Et en plus ça rime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Poison. Ah. C'est juste un temple? C'est juste un temple. Merde. Ou alors j'espère que c'était pas un joueur qui joue en instable. Aïe. Non plus. Alors. Ou du poison partout. Hop, moi je descends par là. Ok. Hop. On passe et on rapasse. Hop. Poison. Putain. Hop là. Voilà. Mais c'est cool ça, c'est encore un cul-de-sac. Alors. On trouve rien du tout, hein. C'est vraiment violent. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en sucette. C'est sans doute l'agacement. Donc il faudra préciser le biome, les coordonnées de la planète, vous dépatouillez. Plus jamais je fais une recherche hasardeuse comme celle-ci.
peut-être un screen même du genre d'environnement que je suis supposé chercher en fait. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien d'intéressant non plus. Appelez. Je passe, pas vous. Ok. Et B, je m'attendais pas à ça non plus. Oh putain. Ah 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 ah. Non, petite salle. Un coffre. Hop. Un biome slime juste en dessous. Là y'a rien. Là y'a un coffre. Oh joli. C'est du travail d'équipe qu'ils ont fait, c'est bien. Bon, c'était contre moi, mais je vais le prendre pas trop mal en fait. Bon, alors ce biome, il est où? Là. Parce qu'il y a quand même une armure slime à trouver dans ce biome, chers amis. C'est pas rien. Ok. Ok. Un petit peu de liquide. Hop les. Hop les. Hop. Caverne. Rien. Hop. Challenge room. On en chie, on n'a pas de bol. Soit on en chie, soit on n'a pas de bol. Je penserais plutôt qu'on... Soit on en chie, soit on n'a pas de bol, soit on s'est fait flouer. Franchement, je commence à me dire que j'ai été floué. Pourquoi y a un ennemi? Alors ça m'étonnait. Qu'il y ait des bandits encore, je veux bien. Qu'il y ait des ennemis, c'est étonnant. Sous des ennemis qui ne seraient pas agressifs en fait. Appeler. On se soigne. On va quand même y aller de manière assez safe. Hein. Attendez, est-ce qu'il y a deux autres ennemis là? Ok, c'est plutôt bon. C'est tout. Ah, par contre, ça c'est intéressant. Par contre, le petit truc en dessous, je sais pas si ça l'est. Voilà, ça c'est fait. Quelques pixels, putain. Hop. Ok, bon. On y retourne. J'ai les doigts qui gèlent, nom de Dieu. On va partir de par le sable. Voilà. Oh, une grande salle. Pff, rien dedans.
J'aime pas ça. Foutu poison. Il y avait pas un truc en plus dedans? Non, c'était des or. Des minerais. Bon. Hop les. On est sorti, putain. Il y a du poison partout. Voilà. J'ai cru que j'allais encore m'en bouffer, mais c'est pas grave. Et donc là, on arrive au niveau de la magma rock. Génial. Bon. On va remonter, je crois. Hop, on va prendre notre épée. Voilà. On peut avoir du soin. Bah non, bien sûr que non. La flamme, c'est bien mieux. Bah oui. Et progressons sur ce chemin. Le chemin de la connerie. J'ai les doigts qui gèlent tellement je... Oh putain. De l'eau? De l'eau! Oh mon dieu, de l'eau, ça faisait tellement longtemps. Ah, bon, un challenge. Que je ne saurais refuser, tu m'as loupé. Ah, c'est celui qu'on a déjà fait, celui-là. Aïe. Aïe. En train de me demander comment que j'allais la chercher celle-là. Mais j'y vais pas. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.